Salut tout le monde, c'est Ramgame, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode 8 de Hyrule Warriors, l'ère du fléau. Et aujourd'hui, avec un épisode un petit peu spécial, puisque nous allons faire un petit tour du côté de Tabanta. Et on va zooker du monstre. Vous allez voir, je vais montrer un petit peu l'étendue du pouvoir de la lame purificatrice qu'on n'a pas, pu le voir dans l'épisode 7. Et je me tais puisqu'il va y avoir une cinématique. Zelda demeurait seule à ressentir inquiétude et frustration. Elle avait beau méditer et étudier, rien ne pouvait dissiper ses peurs. Un jour, Zelda était partie étudier des reliques en compagnie des pilotes des créatures divines. Et il s'apprêtait à rentrer au château d'Hyrule sans rien avoir trouvé d'intéressant. Quand soudain... Que dois-je faire? Si je ne parviens pas à éveiller mon pouvoir... Et donc, alors le but de cet épisode 8, excusez-moi, je vous ai laissé un petit moment écouter la cinématique, et bien ça va être de casser de la gueule du monstre, comme j'ai dit au départ. Et donc les prodiges me laissent un petit peu l'opportunité de montrer tout mon talent, et vous allez voir un peu, je vais faire du dégât. Voilà, déjà un mobile qui n'a pas fait d'entre eux. Hop, voilà. C'est pour ça que j'ai nommé l'épisode 8 Massacre à Tabanta, parce que c'est vraiment, c'est du pur massacre. C'est de la boucherie, c'est du viol à main armée, enfin voilà, c'est du gangbang. Voilà, je pense que les moblins, quand ils sont attaqués, l'âme purificatrice a eu un rapport sexuel avec les moblins, je pense même pas que les moblins étaient majeurs à ce moment-là. Donc ils ont fait du sale, ça fait du sale, regardez-moi ça un peu. Voilà, donc ça y est, c'est réglé. Donc là, rien de particulier, il va juste falloir zooker du monstre, et on va faire ça en beauté. Ouais, voilà. Ils sont très nombreux, mais vous inquiétez pas. Hein. On va s'en occuper. Je crois même que je vais faire un très très beau score. Je vais faire un très beau score, voilà. Bon, bah sinon, pas grand chose à vous raconter. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. En ce vendredi... En ce vendredi, excusez-moi, je perds mon latin. En ce vendredi 8 avril, si je dis pas de bêtises, c'est ça, vendredi 8 avril. Et non, pas du tout. 14 avril. 13 avril, on va y arriver, voilà. En ce vendredi 13 avril, je suis très heureux de vous retrouver. Je me perds un peu parce que, comme vous savez, j'enregistre les épisodes bien longtemps avant. Parce que ça me permet, pendant la semaine, si vous voulez. J'ai encore un peu. Mais non! Non, ça déconne encore, je suis désolé les amis. Putain, c'est vraiment chiant quoi. Franchement, c'est insupportable. Bon, bah, ça va. L'image vont encore être décalées. Putain, cet ordinateur de merde, j'en peux plus quoi. Il me casse les couilles. Je sais pas pourquoi ça déconne comme ça, c'est insupportable. Enfin bref. Bon, bah, j'essaie d'arranger ça. Bah, voilà. Je sais pas quoi vous dire. Hein. Je commence à être blasé, sincèrement, parce que Link's Awakening, c'est pareil. Non, sérieux, c'est chiant, là. C'est insupportable. Ça commence à jouer sur ma motivation, je vous mens pas. Et si c'est comme ça, moi, j'ai raté les let's play, hein, franchement. Non, mais je déconne pas, là. Au bout d'un moment, ça va bien, quoi. C'est à chaque fois que je fais une vidéo, ça saute comme ça, mais putain, mais t'as pas fini, quoi. Donc, je sais pas. Enfin, bref, bon, bah, on va continuer à casser la gueule au mobile, là, tout ce que je vous dis, là. Désolé les gens, mais au bout d'un moment faut me comprendre quoi. Au bout d'un moment c'est super chiant. Enfin bref.
Allez, on va faire comme si ça va pas recommencer, parce que sincèrement c'est pénible. Donc voilà, pas grand chose à dire quoi. On casse la gueule au Moblins, au Bokoblins. Non, je suis désolé les gens, mais moi le problème c'est que c'est pas la première fois que ça arrive. Je sais pas pourquoi ça saute comme ça, pourquoi ça bug, mais c'est insupportable. Il va vraiment falloir que ça arrête parce que ça me fait plus rire quoi. Voilà, moi ça mute mes vidéos, puis après bah du coup je pense que je vais couper ce passage là hein. Je vais couper hein, ça je vois pas autrement, je vais couper, sincèrement je vais couper. Bon bref, allez c'est pas grave, passons. Alors. Hop. Allez, donc là, il faut aider les capitaines. Et donc, on va aider les capitaines. Allez, prends ça dans ta gueule. Voilà. Non, bah, je vais changer de terminal de vidéo. Je sais pas pourquoi ça déconne comme ça, mais... Le problème, c'est que je peux pas changer d'ordinateur parce que... attendez. Bah non, je peux pas. Bon, je vais essayer de voir si je peux faire avec l'autre ordinateur, parce que là, c'est plus possible, en fait. Là. Sincèrement, ça me saoule. Tant pis, je me débrouille autrement, mais là, c'est juste chiant, quoi. Enfin, bref. Alors. Boum. Allez, viens là, toi. Je pense que t'as besoin d'un petit coup de chaud. Et voilà. Non, vous allez comprendre en plus que je suis énervé, donc c'est pas le moment de me faire chier. Donc ne me saoulez pas. Hein. Boum. Allez. Hop. Excusez-moi, je mouche un instant. Garde-toi mon gars. Tu vas pas faire donc. Je parle pas beaucoup parce que comme j'ai dit, j'ai pas grand chose à dire. Je suis vraiment blasé là du fait qu'à chaque fois. Ça saute encore. Non mais sérieux, non franchement c'est chiant là. C'est super chiant. Toi tu m'énerves. Hop. Allez, calme. Voilà, toi je t'ai eu. Alors je vais prendre ta baguette de glace parce qu'il y en a un derrière qui commence à me gaver. Je suis désolé les gars, je suis vraiment désolé si le son est super décalé par moment. M'en veuillez pas. Mais voilà, faut me comprendre aussi, c'est un peu chiant. J'essaie de faire comme je peux. J'espère que c'est pas parce que je laisse trop longtemps les vidéos. Bah non, c'est pas logique. Non, je sais pas. Je sais pas d'où ça vient. Je vais demander à un pote à moi qui est informaticien parce que là, c'est juste chiant. Quoi. C'est pas normal que ça soit comme ça. Vraiment pas normal. Bon, quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit. Allez hop. Gel. Gel, gel. Allez, il y en a un que j'ai eu, ouais, super. Hop. Esquive. J'arrive jamais à faire des esquives. Tiens, il y en a un derrière qui m'attaque, là. Hop. Non, mais sérieux, putain.
Hop. Et... boum. Je sais pas pourquoi ça détecte comme ça, les sangliers, c'est chiant. Est-ce qu'il va falloir que je surveille à chaque fois les terminaux de vidéo pour éviter que ça... Ah, 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 ah. Hop, hop, hop. Vous voyez un petit peu les dégâts que font, que fait, pardon, la purificatrice. Ça fait mal, hein. Bon, révalide, nombre de révalides. Adieu. Voilà, oui, je l'ai eu. Le bossa qui m'attaquait derrière, je vais m'occuper de toi après. Hop. Hop, 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 hop. Coup de grâce, j'en avoir deux d'un coup. Oh là 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 là, oh les dégâts que je fais. Et maintenant toi, oh la salope. Oh la salope. Alors toi ma grande, adieu. Voilà, je l'ai eu. Ok, mais on va continuer. On va continuer notre petite lancée. On est toujours à Tabanta, donc on est vraiment pas très loin de chez les Piaf. C'est marrant parce qu'en plus chez les Piaf, on va y aller dans Breath of the Wild, mode expert. On est rendu à l'épisode 15, si je ne dis pas de bêtises. Et ça avance hein, comme ça peut, c'est plutôt pas mal, je suis assez content. Merde, t'as arrêté de profiter comme ça, t'arrêtes pas de m'emmerder, toi. Hop, hop. Hop. Et... meurs. Voilà. Allez, bon, ça va mieux, je suis calmé, là, j'ai un peu ragé tout à l'heure. Je suis désolé, mais bon... c'est juste super chiant quand tu fais quand tu mets du cœur à l'ouvrage et que le son ne, ça ne traîne pas derrière. Alors attendez, je vais tous vous geler. Hop. Boum. Ah, t'as vu. Allez, ah, j'ai fait du dégât là. Oh, j'ai fait du dégât. Oh, j'ai fait du dégât. Hop. Hop. Et toi, t'es mort. Boum. Voilà. Allez, ne perdons pas de temps avec ces malandras. Je vais quand même récupérer un peu ce qui me revient de droit. Allez. Hop. Hop. Alors, j'ai quand même fait 1073 KO. Hein. C'est quand même pas mal, les amis. C'est quand même pas mal du tout. C'est quand même pas mal. Ok, alors. Hop. 1100 KO, 1102 KO. Oh là 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 là. Boum. Voilà. Allez. Alors, hop, hop. Mais vas-y. Attends, pourquoi j'ai pas... Ah voilà, d'accord. Allez. Boum. Allez, maintenant, vous allez tous bouffer de la glace. Vous allez manger des esquimaux, ce mini, les gars. 1, 2, 3. Oh! Oh! Oh, que c'est chaud! Oh! Voilà. Alors, j'ai fait combien de dégâts? Un petit peu là, juste pour rigoler, pour voir un peu les stats. Bah écoutez. Ah, 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 attention maintenant. La concentration, on va affronter deux Nidorok. Et là, ça va pas être de la tarte. Donc, vous connaissez le principe des Nidorok, hein, il faut toucher le matériel qui est juste sur leur crâne, qui sert un peu de cerveau. Ils moi, par contre, ils sont extrêmement chauds. Et je vous assure qu'il y a une nouvelle race d'ennemis qu'on va avoir très bientôt dans le jeu, dans pas très longtemps. Pour moi, ils sont 100 fois plus puissants que les ennemis dorés dans Breath of the Wild Mode Expert, croyez-moi. C'est rien à côté de cela. Bon, toi, tu commences à me casser les pieds. Allez. Et... boum. Voilà, t'es presque moribond. Voilà, tiens, je vais te filer un petit coup de... un petit coup d'électricité. Ouh là là. Alors... j'aime pas trop raconter ma vie, les amis, mais je suis un peu fatigué en ce moment. Et je vais à nouveau reprendre du tramadol parce que j'ai toujours très mal au dos. Donc rassurez-vous, je ne le prendrai pas comme je l'ai fait l'été dernier parce que... voilà, vous savez tout ce qui s'est passé. J'en prendrai que lorsque j'ai extrêmement mal au dos. Le problème, c'est que j'ai tout le temps mal au dos. Donc il va falloir vraiment que j'attende
Il faudra vraiment que je le prenne lorsque j'ai extrêmement mal. Il y a des moments où c'est supportable, où c'est moins supportable. Il faut que je le prenne pendant 7 jours, matin, midi et soir. Le souci, c'est que, souvenez-vous, Crystal, vous l'avez dit, le tramadol, c'est un dérivé d'opiacé. En gros, c'est un peu une drogue, voilà. Et on peut rapidement devenir dépendant. Et moi, parce que je savais que je devais voir le médecin, je sais parce qu'il y a des gens que je connais et qui me posent souvent la question comment je vais. Et en avant le médecin, tout ce que je ne voulais pas, c'était du tramadol. Parce que ça me rappelle mon premier lumbago. J'ai toujours des problèmes de dos d'ailleurs, mais bon, même si c'est plus des contractures qu'autre chose. Et voilà, mon dos est très fragile et en ce moment, c'est vrai que j'ai pas été épargné. Et c'est vrai que me dire que de reprendre du tramadol, sachant que les effets après, c'est pas bon pour mon mental, et ben ça me fait chier, voilà. Ça me fait chier. Heureusement, j'ai des anti-inflammatoires, je vais les prendre sincèrement. Si vraiment ça fait pas l'affaire, je prendrai le tramadol, mais voilà. Je suis pas enchanté du tout de reprendre cette saloperie là, franchement. Enfin bref, voilà, c'était pour la petite aparté, parce que en même temps quand je parle de ça, j'ai battu le Victorin. Et là je me tais parce qu'il va y avoir une cinématique. Lui est de plus en plus fort. J'adore Daruk derrière. Alors que moi, de mon côté, c'est bien ce que vous pensez, n'est-ce pas? Ces derniers temps, les monstres sont de plus en plus nombreux. Sans doute un signe que le fléau se rapproche. Alors, le temps nous est compté. Et pourtant, j'attends toujours que mon pouvoir se manifeste. Madame, en vous comparant à Link de la sorte, il me semble que vous faites fausse route. Regardez-le. Vous trouvez qu'il a changé depuis qu'il porte son épée? Pas le moins du monde. Il est toujours prêt à relever les défis qui lui semblent à sa portée. Je pense que c'est tout ce qui lui importe. Et vous? Vous n'êtes pas tellement différente de lui. Songez à tous les efforts que vous avez fournis. Oui, mais dans mon cas... Vous impatienter ne sert à rien. L'arbre Mojo vous l'a bien dit, n'est-ce pas? Tout ira bien. Vous n'avez aucun reproche à vous faire. Mais vous devez croire en vous. Merci, Urbosa. Les pilotes des créatures divines et le chevalier purificateur joueraient un rôle essentiel face au fléau. Le roi les rassembla tous les cinq pour une cérémonie d'intronisation qui les consacrerait en tant que prodiges. Sous les acclamations du peuple... alors maintenant, regardez attentivement. La prochaine cinématique, parce que ils vont enfin, si je dis pas de bêtises, porter fièrement l'habit d'azur. Souvenez-vous, la cinématique épisode 94-15. Je me tais, regardez bien. Ça y est, on dirait que notre équipe chargée de sceller le fléau. Et ça se passe enfin en plus au même endroit, sauf que c'est dans un épisode de 100 ans avant. Avec le chevalier purificateur,
et les quatre prodiges à vos côtés, vous serez bien entourés, Votre Altesse. Mais tout ira bien. Dans le... Mais c'était pas Proie qui parlait, c'était bien... Ah, d'accord, ok, bon. Oh, veux-tu bien arrêter de nous déranger? Contrairement à toi, Son Altesse est très occupée. Oh. Souvenez-vous dans... Dis donc, toi, les souvenirs de l'épisode 94 ou 95. Je veux dire, attendez, je suis pas sûr, j'ai un doute. Et te comporter mieux que ça. Allons, vous deux. Arrêtez de vous chamailler. Je regarde. Quitter ainsi la gentillesse de Son Altesse, tu n'es vraiment pas possible comme gardien. Dis, Tarouk. Épisode 95, souvenez-vous, vous savez, l'épisode où on voit la photo qui est prise avec tous les prodiges. Eh bien, je pensais que c'était. Comment, Proie qui parlait, mais en fait, c'était Impa. Impa 100 ans plus tard. Ou alors. 100 ans plus tôt. Ou alors, c'est peut-être que le cours du temps a été changé. Enfin bon, mais. Je trouve que la voir ressemble énormément. Donc là, il porte vraiment les habits de l'habit d'azur. Va-t'en. Non, laisse-moi tranquille. Allez vous chamailler ailleurs. Hé, hey, attends un peu, toi. Oh, arrêtez. Ah, oh, je vous jure. Il dit ça à chaque fois. Ah, c'est vraiment Vegeta. Révali, bon bah écoutez, c'est un épisode qui était plutôt court, je suis désolé pour les coupes encore une fois, c'est super chiant, je vais essayer d'y remédier parce que moi ça m'emmerde que le son et l'image soient décalés. En tout cas, si l'épisode 8 vous a plu malgré les coupures de son, n'hésitez pas à vous abonner, je vais te tutoyer pardon, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un petit like qui pointe vers le ciel et qui fait toujours plaisir, à partager la vidéo autour de toi si jamais il y a des fans de Zelda, à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et activez la petite cloche si tu veux être au courant des actualités de la chaîne. N'oublie pas que très bientôt il va y avoir Mario Odyssey qui va remplacer sûrement Astérix Obélix XXL2. Je vais pas vous mentir, ce jeu j'ai du mal, j'ai vraiment du mal, j'hésite à vraiment le... Je pense que je vais l'arrêter, voilà, je vais l'arrêter, je vous expliquerai pourquoi, mais j'accroche pas avec ce jeu. En tout cas, moi c'est toujours un plaisir que de faire ces vidéos. Très bientôt, ah bah au moment... Non, bah bref, non, laisse tomber, parce que là, je parle au passé et au futur. En tout cas, on se retrouve pour l'épisode 9 de Hyrule Warriors, où on va continuer à guerroyer pour le royaume d'Hyrule. Moi, c'est toujours un plaisir que de vous faire ces épisodes, maintenant, depuis plus d'un an, et on en a fait du chemin ensemble. Merci de votre fidélité, nous sommes actuellement 173, pour vous c'est très peu, pour moi c'est énorme, et ça me fait extrêmement plaisir. On se retrouve très bientôt, je vais vous laisser dès maintenant parce que je vais faire d'autres épisodes et je suis appelé vers d'autres destinées, comme on dit. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous, c'est le plus important, et surtout, respectez bien les gestes barrières parce que ce putain de Covid revient malheureusement. Et s'il vous plaît, faites attention à vous, faites attention aux autres, n'oubliez pas de porter le masque et faites très très attention parce que j'ai pas mal d'élèves qui ont chopé le Covid. Et je vous jure, ça rigole pas du tout, voilà. Quoi que puissent vous dire certaines personnes, j'ai dit que je vous dirais pas quoi faire, mais en tout cas, faites attention à vous, s'il vous plaît. C'est tout ce que je vous demande, voilà. Faites-le pour moi, s'il vous plaît. Je vous embrasse bien fort. On se dit rendez-vous vendredi prochain, 18h, comme d'habitude. Allez, ciao, bye bye. Salut tout le monde, gros bisous.